quand je serai grand, je serai roi. Ah bon? Ton père est roi? Ben non. Pourquoi? Ben, pour être roi, faut déjà que ton père soit roi. C'est comme ça que ça marche. Ah bon? T'es sûr? Oui. Et d'ailleurs, ça m'embête un peu. Pourquoi? Parce que ma mère n'arrête pas de dire à mon père que c'est le roi des imbéciles. Ah ouais, je suis désolée pour toi, mon pauvre. Merci, mon pote. Ouais, qu'est-ce qui se passe, Clara? T'es malade? Non, monsieur, pas du tout. Pourquoi vous me demandez ça? Bah, c'est la première fois de l'année que tu n'es pas en retard à l'école. T'es même en avance. Alors je m'inquiète, forcément. Il s'est passé quelque chose d'exceptionnel pour que tu sois déjà là? Ça oui, on peut le dire. Ah bon? Et on peut savoir ce que c'est? Mais avant, si tu pouvais ranger ton téléphone maintenant qu'on est en classe, hein? Non, monsieur, surtout pas. Ah bon? Et pourquoi donc? Il y a un Pokémon extrêmement rare juste à côté de vous et je ne veux pas le rater. Ah, tu m'en diras, attends. Et t'en as pour longtemps? Non, monsieur. Ah, ça y est, je t'ai, yes! Moi? Mais non, monsieur, le Pokémon! Qu'est-ce que t'as? Oui, Thomas? Monsieur, je peux aller aux chiottes. Bon, enfin, Thomas, surveille ton langage. Comment on dit? Je peux aller aux chiottes, s'il vous plaît. Oh! Quoi? T'es malade? Prenez vos stylos rouges. On va de suite corriger cet exercice de maths. Regardez au tableau. Waouh! Hey, c'est exactement ce que j'ai écrit! Ben, c'est normal. Moi aussi, c'est la consigne. Lucas, fais voir ton dessin. Oula, on peut pas dire que tu sois d'humeur joyeuse aujourd'hui, hein? Qu'est-ce que t'as? Non, je me pose juste des questions. Ah. Tu crois qu'on existe vraiment? Quoi? Ben oui, on est peut-être que des personnages virtuels d'un immense jeu vidéo. T'as jamais pensé à ça? Non. T'imagines chacun d'entre nous est dirigé par un joueur avec un écran, des manettes et tout. C'est quoi ce délire? Peut-être que si on regarde bien, si on se concentre bien, on arrivera même à le voir à travers l'écran. Ce serait génial. Là, tu vois, il est en train de me faire travailler en classe. Coucou! Puis il me fait me poser des questions sur qui je suis vraiment. Ça doit être un joueur vachement fort du tout ce que je fais, tu crois pas? Ah, pourquoi t'as fait ça? T'as senti la douleur? Ben oui. Alors c'est que tu existes, tu n'es pas virtuel. Maintenant, tais-toi et laisse-moi travailler. Bon, Lucas, tu pourrais au moins sourire. Eh, tu sais, Charlie Chaplin disait « Une journée sans rire est une journée perdue. » Ah bon? Charlie Chaplin pouvait parler? Ah, merci, Sarah.